Je vais pas laisser mes papiers à traîner, par exemple. Ah, c'est-y. OK. Là. Ah, c'est bien, c'est-y, papier, c'est un gros envers, moi, Chris. Et ça, c'est laissé traîner. Ouais! Oh, oui, je t'entends du butcher, c'est-y, je viens d'arriver. Tu t'attendais sans doute de me voir, hein, Graves, hein? Ouais, je sais, c'est après oui. Ce qui s'est passé au dernier show. Ouais, mais. Tu dois s'entendre que est-ce que je suis pas trop content, moi, non, hein? Ouais, mais attends, compte-moi ce que t'as compté, puis moi t'expliquer le restant après. Tu vois que moi non plus, je suis pas bon. Je sais plus si je dois faire confiance à quelqu'un. Tu sais, moi, là. Le gros Chris de Lumberjack, qu'est-ce qu'il y avait d'affaire, il était prêt dans ce combat-là? Ouais. Moi, je voulais gagner ce combat-là, fair and square, contre cette petite tournage, les autres tabarnak. Attends. Bon, je vais t'écouter, là, OK? Quelle raison tu penses que j'aurais eu à faire envoyer ce gars-là avec Christine volée, avec Christine volée à Shizo? Premièrement, là, Shizo, il est même pas nous autres. Ça aurait aucun sens que je fasse ça. Il est parti de son plein gré. Je l'ai rencontré ici devant une coupelle de jour avec Peter. Peter, mon homme! Il me dit, oh, ben, je le contrôle pas, nanana, tout ça. Ah ouais? J'ai rien contre Peter en tant que tel. Là, en plus, il me laisse tout seul avec toute la business. Parce que là, il a enlevé son poste. C'est pas fort. Il s'est auto-désisté lui-même de son poste d'assistant, donc je fais tout. Les papiers, les contrats, les combats, toute la patente, c'est tout moi qui se tape tout. On me rappelle dans ta d'assistant. Et il me dit, en plus, il me crie Lumberjack en avant, règle tes problèmes avec lui. Ouais, c'est bien Peter aussi. Le gros tabarnak, il flippe mon bureau, crisse mon bureau au bout de ses bras, il m'invite à aller se battre l'autre bord. Je dis pas de trouble, dans le bureau, il se passe rien. J'arrive l'autre bord, je me pogne avec. Ouais. J'ai perdu un esti de bout. Je me suis réveillé peut-être 1 heure ou 2 heures ou 3 heures après, je sais pas, j'étais étendu à plein ventre dans le ring. Maman, pas ce qui s'est passé, je me rappelle plus de rien. Fait que là, je sais pas si l'entité qui est en dedans de moi est en train de se réveiller, je le sais. Oh. Fuck all! Lui, il dit, la boisson. Tu peux péter, ça pour une affaire, il a pas changé. Non, il a pas changé. Mais, j'ai rien contre l'entactel, c'est pas avec lui que j'ai un problème, c'est avec Lumberjack. Ça, je vais régler un moment donné, en temps et lieu. Pour tout, j'en ai assez problème avec ce gars-là, mais. Pas grave. Je règle ça un moment donné avec lui. À part ça. Pour de ça. tu sais, pour le fameux gars mystère, là? Ouais. Je le sais, mais comme le lâcher. Ouais. J'ai comme. Sans qu'il s'en rend compte, j'ai comme surpris un certain Mike Burke. Ah, tu m'apprends quelque chose, toi, là. Par le téléphone, à un moment donné. Ça avait l'air. Juste avant le dernier show. Ça m'arrêterait pas voir tout. Si il parlait en anglais, Mike Burke, mais puis moi, je suis quand même capable de me débrouiller en anglais aussi, pour te comprendre. OK. Puis, moi, je suis pas mal sûr qu'il aurait dit à ce gars-là qu'il aurait payé assez cher pour pas qu'il se présente. Ouais. Ça m'étonnerait pas. Fait, tu peux me faire confiance, mon homme? Moi, je t'ai jamais. Oui, on s'est déjà pas dans le passé, ça, je l'avoue. Oui, en début de saison, on s'était Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que j'ai plus envie de craindre ce que tu me dis de ce que lui me bullshit comme une trois quarts du temps. Ouais. Fait que. Fait, moi, je sais toujours pas c'est qui le gars mystère, ce gars, ça regarde. Ça regarde de. Peu importe, là. Je te dirais bien, mais. Non. Je vais garder ça entre les mains de la personne qui est espouée de. Fait que s'il me crossait, ben. Ça ne parlerait pas de lui. Souviens-toi dans ta décision. Là, j'ai un problème parce que là, tantôt, j'ai fait une astuce d'erreur, j'ai laissé tout seul ici de la bureau. Oh, tabarnak. Ouais. Et je ne m'étonnerais pas qu'il ait fouillé dans mes affaires parce que j'ai laissé les papiers traîner comme un cave. J'ai eu un téléphone de quelque chose d'intéressant pour nous autres. Oh. Puis en tout cas, il y a d'autres investisseurs qui veulent investir. En tout cas, j'ai mangé une amande salée après ce que j'ai fait dans sa carte au fouet. My bad. Je vais montrer au gars là-bas à cœur de le respect, ça se mérite. Puis
Ben, j'ai mangé un amande salée, donc je me suis trouvé d'autres investisseurs, puis c'est ça. Au sujet de Mike, s'il y en a qui le connaissent, c'est bien moi. Moi, je sais. Saison 3, la Sicile, j'étais avec lui, puis s'il y en a qui sait comment est-ce que c'est bien moi. Je sais. Avec l'histoire du gars mystère, ça me surprendrait pas pantoute qu'il y ait quoi. Mais là, dans Joseph 21, moi, je sais pas qu'est-ce que je vais donner comme combo. Moi, j'ai une petite idée. Là, je vais mettre Lumberjack de côté parce que Lumberjack ne mérite pas d'affronter une légende comme ça. Ouais, c'est non, il ne mérite pas ça pendant. Bon, pour le moment, en tout cas. Mais il y en a un que je pourrais donner sa chance, par exemple. Ok, c'est quoi son. C'est quoi ton tête? Attends un petit peu. Je vais te dire, là. J'ai vu son combat dernier show, puis il a fait tout un combat. Puis il mérite sa chance. Un ticket de Québec, Hazard. Ouais. Ok. Il mérite sa chance, ce gars-là. Puis en tant que champion, là, je suis même prêt à choisir la stipulation du combat. Ok, t'as pensé à? Two out of three falls. Ouais, c'est intéressant. Ouais. Ok. Fait que c'est à lui à répondre au challenge que j'ai. Je te garantis pas que je vais être bon à l'arbitre. Ça dépend quand est-ce que tu vas faire ça. Tu vas faire ça en show ou hors show? C'est toi qui décides. Ben moi, hors show, ça me dérange pas n'importe qui. Ok. Ouais. Si je peux pas avoir l'arbitre, je vais faire le special guest referee. Comme ça, je vais m'arranger pour qu'il n'y ait pas de crosse dans ce combat-là. Ni de ta part, ni de la sienne. Pour une fois, je vais le faire. Vous n'avez pas dit que je te chie dessus. Pas de problème. Non. Pas de problème avec ça. Je sais pas, mais je sens qu'il y a de la marque qui s'en vient. Ouais, puis j'ai un mauvais feeling. Je serais pas surpris que la marque vienne de dessus. Je sais. Ouais. Je prépare mes mires d'avance. Gros crise de Canadien Nightmare, hein? Ouais. Je le surprends des fois par des petits téléphones underside. Hein. Je le sais. Tu sais, je ne donne rien de même, mais moi, des fois, je peux espionner des fois du monde de faire des téléphones. Pis, Fait que, reviens-moi là-dessus pour le combat avec Hazard dans ton 2 out 3 fall match. Ça peut être n'importe quand, ça peut être dans pas long, ça peut être. Je vais essayer de le contacter cette semaine, puis on va essayer de voir ce qu'on peut faire avec ça. Ouais, c'est bien correct pour moi. Good. Ça lui répond au challenge, puis moi. C'est ça. Ça lui a montré que c'est pas un kid. Qu'à fond, une vraie légende, ça. T'sais, j'ai rien qu'on dit à cause, je sais qu'il est capable, c'est un grand lutteur. On va voir ça au mois de septembre. Mais, je vais lui affronter après, ça. Good. Confiance que je vais leur garder ma ceinture. On fait partie du légendaire trio. Ouais. Quoi tu vois, si on pense. En tant que légende, il faut se respecter aussi. Et good. C'est important. Fait que ouais. Là-dessus, je te laisse, puis. Mais bon, on va s'avouer dans pas long. Une bonne fin de journée. Bon, toi aussi. Bon, on est dans l'ancienne. Ouais. Prépare un char, je m'en viens. Ouais. Ouais. Ok. Non, je prends l'avion et je vais là. Non, non, Mike Burke embarque pas dans cet avion-là. Oublie ça. Si il embarque là-dedans, moi, je prends le bateau, tabarnak. Tu me rends pas ce gros Chris-là dans l'avion. Je paye assez cher mes billets, tabarnak, pour que je sois à la bonne place. Ouais. Au pire, si Chris-là dans l'autre avion, je m'en calisse. Quoi? Hey, fuck you, tabarnak. Comment ça, vous, que c'est à Réunion, lui, là-bas? Hey, vous faites chier en tabarnak, man. Pas de bonne mort. Chris, comment tu veux chier de bonne mort, tabarnak? Ah oui, tu mets, c'est-tu mon pyramide dans ma face, c'est-tu pour la réunion. Mange la merde. Hey. On t'en faire un, on va te donner un autre amende, mon tabarnak. Oh, oh. Oh, ouais. Hey, faites attention à vous autres, hein. C'est bon, ok. Mais, moi, première classe, puis lui, tu le chupes en arrière des bagages. Ah oh, ouais, c'est ça. Moi, mange la merde, c'ti. C'est bon. Comme ça. Hey, pas la même chose non plus, là. Hey, vous me faites chier en 6 mois, là. C'est bon, ok, c'est correct.
Je ferme ma gueule, je vais l'endurer. Asti. Fais le chier. Eh beau! Bye! Tabarnak! Paye des billets, des prix de fou, maudit sacrement! Oh, laisse la tabarnak, va être pogné ce gros cristal dans l'avion, pis dans le char, il y en a en plus! Asti, tabarnak! Tabarnak, calisse! Tu payes des prix de fou, maudit asti, tabarnak, pour avoir du service! Si tu payes un prix de fou pour le service tabarnak de Calis, pis vous tirez pas avec My Bird dans l'avion, pis dans le char pour y aller. Manger de la merde, c'ti. Après ça, maudit Calis de Chris, il se demande pourquoi qu'on paye des montants de fou pour la crise de paix. C'ti. Gang de tabarnak. We'll be right back.